I will speak in French, but in case some people have a bit of problem with French, my slides are in English, so I hope everyone can follow. I'll try to share my screen. Can you see this? Yes. Yeah. Okay. So I will start with, je commencerai par présenter bien sûr les programmes que Sandra vient de mentionner, parce que les bibliothèques de la CAU Leuven et plus particulièrement celle des et plus particulièrement celle des collections spéciales accordent une priorité absolue aux documents relatifs à l'histoire de l'université. Et ici vous voyez notre site web dédié au patrimoine et bien sûr aussi au patrimoine de l'université. Nous investissons beaucoup de temps, d'énergie et d'argent dans l'acquisition, la catalogaphie et la valorisation des notes cours, des manuels et autres livres des professeurs, des thèses universitaires, etc. Ces efforts ne sont pas nouveaux, mais les possibilités offertes par la technologie actuelle, en combinaison avec les festivités qui préparent le 600e anniversaire de la fondation de l'université à Leuven, auquel Rafa encore moins a renvoyé dans son mail de ce matin, les rend plus visibles. Ainsi, en 2015, la plateforme Magister Dixit a été créée et 2 ans plus tard, celle de Lovaniensia. Magister Dixit, comme Xandre vient de dire, réunit les notes et cours des étudiants de la faculté des arts et dans une moindre mesure, celle des facultés supérieures de l'ancienne université de Louvain, c'est-à-dire depuis la fondation en 1525 jusqu'à la fermeture par les Français en 1797. Il s'agit des codex qui sont conservés à la CAU Leuven, aux archives de l'Université catholique de Louvain, à la KVR et au Musée M. Actuellement, la plateforme contient des images de 561 notes étudiants entièrement numérisées. De sa part, Lovaniensia met en lumière la collection Academica Antiqua ou la collection académique ancienne. Celle-ci regroupe les ouvrages publiés par les membres de l'ancienne Université de Louvain pour la même période. Lors de la scission de l'Université de Louvain dans les années 1970, la collection a été partagée entre la CAU Leuven et l'UC Louvain, aussi bien pour les notes de cours que pour les livres imprimés. Donc, réunir ces ouvrages sur une même plateforme numérique permet de la rendre à nouveau disponible sur un ensemble, comme un ensemble aux chercheurs et à toute personne intéressée. Actuellement, Lovaniensia compte 930 ouvrages numérisés conservés donc à Leuven ou à Louvain-la-Neuve. Dans cette contribution, je laisserai de côté les livres imprimés pour me concentrer entièrement sur les manuscrits contenant des notes de cours. Plus particulièrement, j'analyserai dans une première partie en détail le manuscrit 237 contenant un cours de logique datant de 1513-14. Ce codex a été reconnu officiellement comme un chef-d'œuvre par la communauté flamande. Malgré des descriptions dans plusieurs ouvrages et de sa mention dans différentes études, je crois encore pouvoir apporter des éléments nouveaux menant à une meilleure connaissance du codex et de sa création. Dans la seconde partie, j'élargirai mon regard sur l'ensemble des notes cours de Leuven du 15e et du 16e siècle. Donc d'abord, le manuscrit 237. Le texte a été noté par l'étudiant Johannes Lombard d'Oosterbeek. J'espère que vous pouvez voir ici son nom. Johannes Lombard a été immatriculé à l'université le 31 août 1513. Il a suivi ses cours d'art dans la pédagogie du château. Son nom l'indique, il est originaire d'Oosterbeek. Deux possibilités d'identification s'offrent pour ce nom, soit un hameau dans la campagne faisant partie de la commune actuelle de Westerlo et se trouvant à une quarantaine de kilomètres de Leuven, soit la commune Oosterbeek dans les actuels Pays-Bas à 140 kilomètres de Leuven. Ce qui plaiderait pour la dernière option est qu'en 1529, un Johannes Lombard était devenu chanoine à Bois-le-Duc, à seulement 15 km d'Oosterbeek. Dans ce cas-là, donc, il serait retourné dans son pays natal. Cette information est fournie par Coppens au 19e siècle et l'identification avec notre Johannes Lombard est faite par Reusos aussi au 19e siècle et a été reprise ensuite. Toutefois, Coppens mentionne explicitement que ce chanoine était entré dans le monastère à un très jeune âge, ce qui ne semble pas le cas pour l'étudiant en question ici, qui devait se rapprocher de la trentaine en 1529. Les deux options restent possibles. Le manuscrit contient les questions liées au cours de logique que Johannes Lombard a suivi pendant sa première année d'études.
Ces deux professeurs, dont il mentionne les noms à plusieurs reprises et que vous pouvez voir ici sur l'écran, étaient Johannes de Lund, Magister Artium et in Theologia Baccalarius, et Antonius de Hersen, Sacri Theologia Baccalarius ou même in Theologia Professor. Il y a plusieurs possibilités pour l'identification de ce Johannes de Lund et ils ont été cités par Christophe Goethe dans sa thèse de doctorat. Dieu van de Med, ook pour Johannes de Lund, qui a été immatriculé en 1499 avec lieu d'origine de Linter. Christophe Goethe suggère une identification avec Johannes Lamberti de Lund, qui a été immatriculé en 1501. Quoi qu'il en soit, Johannes de Lund, tout comme Antonius de Hersen, dont je vais parler dans un instant, était affilié à la faculté des arts à partir de 1508, comme le montrent plusieurs passages des Acta Facultatis. Antonius de Hersen, ça pourrait être Antonius de Hersen. Il y a un Antonius de Hersen de la pédagogie du château qui était promu licenciat en théologie le 13 juillet 1518. Il y a aussi un certain Antonius Godes Friedson van Hersen qui a été prieur du monastère de Marienburg à Hersen de 1517 à 1520 et y est décédé le 6 octobre 1557. Si c'est la même personne, il a donc quitté Leuven quelques années après avoir donné cours à Johannes Lombard. Toutefois, cette identification pose un problème pour les années 1517-18 parce que cela voudrait dire que le prieur aurait quitté Leuven avant d'obtenir son licenciat, ce qui n'est pas impossible, mais le licencié est encore indiqué comme affilié à la pédagogie du château. Cette identification va donc être traitée avec précaution. À la fin du manuscrit, nous rencontrons encore un autre nom, celui de Cornelius Wirth comme régent de la pédagogie du château. C'est une donnée nouvelle parce que Cornelius Brouwers, ou Cornelius de Wirth, après son lieu d'origine, ne devient régent qu'en octobre 1514. Les cours du manuscrit ont donc été donnés sous son prédécesseur, Willem van Boortvliet, qui était décédé le 1er octobre de cette année-là. En ce qui concerne le contenu du manuscrit, celui-ci a été décrit par Christophe Goethes, et je cite en anglais, « This manuscript contains a set of questions on the entire Logica Vetus, Analytica Priora 1 and 2, Analytica Posteriora 1 and 2, Topica 2, Liber Elenchorum 1, and the treatises on supposition, restriction and ampliation, the so-called Parva Logicalia, from Peter of Spain's Summae Logicalis. » Donc, vous avez le schéma ici avec les matières. Et vous voyez tout de suite que dans plusieurs sections, la matière est incomplète, surtout au début. Il y a une foliotation moderne et une foliotation originale. Et la foliotation originale ne commence qu'au folio 54. Donc, on a deux foliotations différentes. Et les textes à la fin, folio 162, 163, ont été ajoutés plus tard par Johannes Lombard, mais n'appartiennent pas au corpus originel. Si on combine maintenant toutes les données des colophons, c'est-à-dire les noms des professeurs, la matière et les dates qui y sont mentionnées, il est possible de reconstruire l'année académique 1513-1514 de Johannes Lombard. Cela donne le résultat suivant. C'est un peu curieux qu'au début, on trouve les trois traités qui se trouvent à la fin du codex. Donc là, je n'ai pas encore une explication complète, mais on peut quand même conclure qu'à partir de ce chemin, les questions de logique ont été enseignées le matin par Johannes de Lund, d'octobre-décembre 1513 à août 1514, et les cours de l'après-midi donnés par Antonius de Hersden ont également débuté en 1513. Ils ont également eu lieu au mois en mars 1514 et en août-septembre 1514. Et durant cette période, ils se sont déroulés au moins partiellement en parallèle avec les leçons du matin. Ce calendrier correspond en grande partie à celui qui a été établi par Moritz Smeyers déjà en 1975. Smeyers avait écrit que les cours ont commencé vers le 9 octobre et celui, les cours du matin, ont eu lieu d'octobre ou novembre jusqu'en août et les cours de l'après-midi d'avril, mai à septembre, mais cela ne correspond donc pas complètement à notre schéma. En outre, il n'y avait pas de vacances comme aujourd'hui et cela se confirme aussi ici parce que les cours se terminent en septembre. Et à la fin du manuscrit, folio 164, nous lisons que les cours de la Physicalia, et donc les classes de la seconde année, commencent déjà le 12 octobre 1514, donc 15 jours plus tard. Mais ceux-ci ne figurent pas dans le présent manuscrit.
Il est important de noter, comme l'avait déjà indiqué Christophe Keunens, que le manuscrit présenté ici ne contient que les questions des matières enseignées. Ces questions formaient un complément à l'analyse du texte principal durant les lectiones ou expositiones. Le manuscrit avec les lectiones correspondantes n'a probablement pas survécu. Le fait qu'il s'agit ici seulement des questions a des conséquences pour la mise en page et aussi pour le moment de la rédaction. Tout d'abord, tout le texte du manuscrit 237 est écrit en deux colonnes. Moritz Meyers indique que dans les manuscrits plus ou moins contemporains, le texte des lectiones s'écrivait en une seule colonne et celui des questiones en deux colonnes, ce qui se confirme ici. Ensuite, Christophe Goedens suggère que le texte des questiones était noté en classe sous la dictée du professeur. Parmi les éléments qu'il avance pour cette hypothèse figure l'emploi d'une écriture moins soignée et l'utilisation de beaucoup d'abréviations, comme c'est le cas dans notre manuscrit. Je peux y ajouter un troisième élément, à savoir le nombre très variable de lignes par colonne. En effet, celui-ci va de 44 lignes à 82. Vous avez l'image à cause de 44 et 82 à droite. Je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a quand même plus d'espace blanc entre les lignes sur l'image de gauche. Donc, ce nombre variable ne témoigne donc pas d'une mise en page bien préparée. Toutefois, même si nous suivons la théorie d'une dictée en classe, une rédaction ou une révision postérieure a encore eu lieu. Cela se constate à la présence de différents éléments ajoutés, à savoir de petits feuillets intercalés avant la reliure définitive, de nombreuses marginales à travers tout le manuscrit, vous en avez un exemple sur l'image de gauche, ou l'indication nota et des maniculi, aussi à travers tout le manuscrit, vous avez une image sur un exemple sur l'image de droite. Il y a aussi des signes spécifiques qui attirent l'attention. Vous les voyez dans la première image, dans la colonne la marge extérieure. Il y a des rayures ou des passages entiers qui sont rendus illisibles, ou il y a des visages dans la marge. Il y a aussi des cadres avec des figures géométriques qui parfois cachent le texte qui était originellement écrit. Il y a des lignes ornementales avec, entre les paragraphes. Vous voyez ça sur la grande image droite. Il y a des illustrations. Par exemple, comme ici, le Christ crucifié. Et il y a aussi la coloration de certains passages pour les mettre en lumière. Et c'est un peu ce qu'Anne Blair a dit hier avec highlighting des passages. On trouve cette coloration aussi bien dans le texte que dans les notes marginales. Tous ces éléments paratextuels se rencontrent dans tout le manuscrit, avec un chiffre absolu le nombre le plus élevé pour les analytica priori, et un chiffre relatif pour le Liber Predicabilium, le premier texte qui est fort incomplet et les topica. Un autre élément indiquant que Jonas Lombard avait l'intention de compléter la rédaction à un moment ultérieur est la présence d'espaces laissés vides pour des initiales ou des titres. Enfin, je voudrais encore m'attarder auprès de deux autres éléments matériels, dont le premier est la présence de filigrane. L'importance de cette analyse ressort aussi de l'étude de Moritz Meyers. Il avait étudié un manuscrit enseigné, avec un texte enseigné à la pédagogie Lelys dans les années 1481-82. Et Moritz Meyers avait détecté pas moins de 11 filigranes différents. Cela lui a amené à la conclusion que le tout le papier n'était pas acheté en une seule fois, et que par conséquent, le codex n'avait pas été complété d'un seul coup, par exemple une copie d'après un modèle, mais que la rédaction et aussi la fabrication du codex se faisait au fur et à mesure que l'année académique se déroulait. Le nombre de filigranes est cependant beaucoup plus limité dans le codex de Johannes Lombard, mais nous constatons ici aussi la présence de différents filigranes et donc l'emploi de différents types de papiers. Voilà le premier. Le premier filigrane se présente jusqu'au folio 96, donc dès le début jusqu'au folio 96, et à nouveau à partir du folio 115, c'est-à-dire le début des topicas. C'est un soleil dans un écu avec en dessous la lettre B, en dessous une couronne et trois cercles. Et ça correspond à un filigrane qui se trouve chez Briquet, soleil dans un écu. Briquet écrit que ce filigrane est retrouvé sur du papier produit en France et utilisé dans des manuscrits de la période 1512-1521, ce qui correspond à la datation du manuscrit 237. Un second filigrane, vous avez aussi la photo et
un dessin pour le rendre plus clair, se trouve au folio 103-114. En termes techniques, il s'agit d'un écu écartelé au 1 et 4 au bar et au 2 et 3 de France, avec donc trois fleurs de lys et sur le tout une autre fleur de lys. Il y a en dessous la lettre D et en dessous une couronne surmontée d'un trèfle. Une recherche dans les différents répertoires imprimés ou en ligne n'a donné aucun résultat pour l'identifier. Une demande sur Twitter n'a également pas abouti à une identification concrète, mais a donné une référence à un écu bourguignon semblable, à savoir celui de Philippe le Hardi, après 1364. Le motif des lys et des barres, et j'ai aussi mis le dessin pour le comparer, se rencontre d'ailleurs dans les armoiries des quatre départements de l'ancienne région de Bourgogne, de même que dans celle de la ville d'Abbeville, dans le nord de la France. Donc, on ne connaît pas le lieu de production exact du papier, mais on peut conclure que ce type de papier vient aussi très probablement du sud de la France ou de la Bourgogne. Ce second filigrane apparaît dans l'analytica priora, mais pas dès le début, et l'analytica posteriora. Dans cette section, il manque 41 folios, et donc il est très possible que l'utilisation de ce second filigrane ne soit pas limitée à une dizaine de folios, comme c'est le cas maintenant, mais qu'elle concerne plutôt l'ensemble de ces pages, donc une cinquantaine de folios. La raison de ce changement n'est pas facile à expliquer, car les leçons précédentes et ultérieures étaient écrites sur du papier avec le même filigrane. L'hypothèse qu'un autre type de papier est utilisé pour les cours de l'après-midi ne semble pas non plus valable, car alors ce filigrane devrait également apparaître sur les pages de la Topica, ce qui n'est pas le cas. Un dernier filigrane représentant un soleil et qui n'a pas non plus été retrouvé dans les répertoires existants se trouve sur le feuillet 64A, un feuillet ajouté à un moment plus tardif entre les folios 64 et 65. Au moment où Johannes Lombert a ajouté cette note, il a donc utilisé un autre type de papier que celui des folios qui entourent cette addition et qui était donc sans doute écrit avant. Donc, cela pour les filigrans. Le second élément que je vais souligner sont les dimensions du manuscrit 237. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la linéale, mais donc le codex mesure 290 sur 215 mm et était originairement encore plus grand parce qu'il y a des passages marginaux qui sont coupés. Parmi les 11 cours, autres cours de la Faculté des Arts pour lesquels nous avons s'étonné pour le 15e et le 16e siècle, il y en a 6 qui présentent des dimensions pareilles, alors que les dimensions des 5 autres varient entre 210, 250 sur 250, 200 mm. Donc on voit la différence avec le deuxième manuscrit sur la photo. Aussi, les 19 manuscrits de droit du 15e et du 16e siècle ont, à une exception près, plus ou moins le même format, avec un cas exceptionnel qui mesure même 372 sur 280 manuscrits. Donc, c'est vraiment un volume géant. La situation est différente pour les manuscrits de théologie contemporain, dont il n'y en a qu'un seul de grand format, donc une longueur de 302 mm. La situation change complètement au XVIIe siècle. En effet, j'ai noté les dimensions de 96 manuscrits qui étaient alors présents pour le XVIe siècle sur Magister Dixit, donc essentiellement de la Faculté des Arts. Et sur ces 96 manuscrits, seulement 11 sont de format grand ou très grand, avec une longueur variant entre 280 et 355 mm. Les dimensions de tous les autres codex ont une moyenne d'environ 210 sur 160 mm. La raison pour laquelle les manuscrits du 15e et du 16e siècle sont en général un tiers plus grands que ceux du siècle suivant n'est pas encore connue. Peut-être qu'il y a des raisons économiques avec le prix du papier qui soit moins cher, je ne sais pas, mais des recherches supplémentaires seront nécessaires pour pouvoir analyser la situation. Ce passage sur les dimensions constitue la transition vers la seconde partie de mon exposé, donc les notes de cours du 15e et du 16e siècle. Dans ce qui précède, j'ai déjà plusieurs fois référé aux études de Moritz Weyers et de Christophe Gödens, dans lesquelles le manuscrit 237 est analysé en comparaison avec d'autres cours de logique du premier siècle de l'université. Ici, je veux regarder plus en détail l'ensemble des cours louvainistes conservés des 15e et du 16e siècle. Dans l'état actuel de nos connaissances, parce que ça peut encore changer, mais nous sommes au courant de 21 manuscrits
du 15e et du 16e manuscrit pour le 16e siècle. Et cela donne le tableau suivant pour la répartition par faculté. On constate tout de suite que la répartition est très inégale. Au 15e siècle, les notes cours de la faculté des arts dépassent légèrement celles de la faculté de droit, et nous ne connaissons aucun codex pour les facultés de théologie et de médecine. Par contre, au 16e siècle, ce sont les codex de la faculté de droit qui sont les plus fréquemment conservés avant les manuscrits de théologie et de la faculté des arts. Sur l'ensemble du 16e siècle, les codex de la faculté des arts donc plus que 18,75% contre plus de la moitié, 53% pour le siècle précédent. Jan Rugius a expliqué en 2012 cette baisse des notes de cours pour la faculté des arts au 16e siècle par la présence à partir de la fin du 15e siècle des manuels imprimés, et les étudiants pouvaient donc se limiter à faire des notes marginales et intermédiaires dans les ouvrages imprimés et ne devaient plus copier des manuscrits complets. Cette situation change à nouveau vers la fin du 16e siècle, le début du 17e, quand les manuels sont supprimés et à nouveau remplacés par des cours écrits. Comme ce sont des changements qui ne passent pas d'un jour au lendemain, il ne sert pas à un hasard que les trois manuscrits conservés pour la faculté des arts se trouvent aux deux extrêmes du 16e siècle, d'une part 1502, 1513-14, d'autre part 1593-94. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour expliquer les différences avec les facultés supérieures sur ce point. Ensuite, parmi les cours conservés pour la faculté des arts, les cours de logique sont prédominants. En effet, nous comptons 10 cours de logique contre seulement 3 de physique et un seul de métaphysique. Il n'est pas tout à fait clair pourquoi il y a moins de cours de physique conservés que des cours de logique, étant donné que pour les deux matières, la période d'enseignement était quasi identique, c'est-à-dire 9 mois. Deux hypothèses, dont une analyse plus poussée dépasse les limites de la présente contribution, peuvent toutefois être avancées pour expliquer cette différence. D'abord, les cours de logique étaient enseignés dans la première année et celles de la physique dans la seconde. Si pour une raison quelconque, un étudiant abandonnait ses études à Louvain après la première année, il aurait un cours de logique, mais pas de physique. Cela est d'ailleurs le cas pour un des étudiants dont le cours a été conservé, à savoir l'allemand Johann Henlein, qui a un cours de logique de 1552-53 de Leuven, et s'est inscrit à Paris, à l'Université de Paris, en octobre 1553. Donc, on a son cours de logique, mais pour l'œuvre, on n'a pas de cours de physique. En deuxième lieu, les cours de physique étaient surtout utiles aux étudiants ensuite qui poursuivraient des études de médecine, alors que les cours de logique pouvaient encore servir à tous les étudiants des facultés supérieures. Plus d'étudiants avaient dès lors intérêt à bien conserver leur cours de logique, ce qui n'était pas le cas pour leurs cours de physique. Pour conclure, et j'arrive pas à ma dernière slide, le manuscrit 237 des collections spéciales est un des rares témoins des notes de cours du 16e siècle de la faculté des arts de l'ancienne université de Louvain. Bien qu'il soit doublement incomplet, étant donné qu'il manque plusieurs cahiers et que le manuscrit ne contient que les questiones, il inclut de nombreuses données précieuses qui nous informe sur l'enseignement de la logique au début du XVIe siècle. Ces éléments relatifs au contenu sont en outre corroborés par l'analyse matérielle du manuscrit, qui porte donc à juste titre l'appellation chef-d'œuvre de la communauté flamande. Je vous remercie. Thank you, Anne, for that great analysis, especially of the book. Historical side aspect of the notebooks, because I should have said it before we started, the theme of this session is of course the book historical approach notes, something which we shouldn't forget as people who study these materials. So thank you for your talk and the presentation of these nice books. I want to open the floor for some questions. I see we only have a few minutes or for a question or a remark. Yannick. Hello, thank you for your presentation. About the watermarks, Gottfried Kuhne pointed out that reams of paper were sold in
you know, very large quantities, so you had to buy a large number of sheets. And so he said, like, it's very strange that there would be so many watermarks in one notebook. So I was wondering what your thoughts would be on that, because I was, the only thing that I could maybe come up with was that maybe the students themselves didn't buy the paper, but it was made available in the pedagogy or the college that they lived in. But I was wondering what you think about that. Yeah, that was suggested yesterday also with a lecture of Kurt Priem, that students maybe got their paper from the seminary. I don't think we have enough details at this moment to decide whether this was the case or not. I think more research is necessary to answer that question. I'm sorry, I can't say more for the moment. Okay, Anne-Hélène. Oui, bonjour. J'avais deux questions. La première, peut-être idiote, il n'y a pas du tout d'enseignement de l'éthique dans ce cursus. Non, il n'y a pas. La première. Et la deuxième, est-ce que vous avez aussi dans les fonds donc des livres imprimés avec des notes marginales d'étudiants pour le 16e? Bon, c'est une question que je passerai peut-être plus aux étudiants du groupe Adfontes parce qu'ils sont beaucoup mieux au courant que moi. Mais ils se concentrent bien sûr sur les ouvrages des ouvrages de langue, des manuels de langue, que des manuscrits de cours de logique. Je n'ai pas d'exemple immédiat en tête, mais peut-être que dans l'audience, il y a d'autres personnes qui en connaissent. Moi, je n'en ai pas en tête pour les cours de logique pour le moment. Et pour l'éthique, il n'y a pas d'enseignement de l'éthique? Il y a des manuscrits pour l'éthique, en tout cas. Il y a aussi des livres, je crois que Cornelius Valerius, Jan, vous pouvez me corriger si ce n'est pas correct, mais Cornelius Valerius, il a publié un livre d'éthique qui a été très, très populaire. Oui, en effet. Mais je ne sais pas s'il y a des livres annotés d'éthique, ça, je ne suis pas au courant. Non,